Vous avez sûrement reconnu qu'on est toujours au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et nous en sommes au deuxième dimanche de l'Avent. Et la première lecture, on nous invite à quitter parce qu'on a des réalités à quitter. Et Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Je serais bien curieux d'être à Jérusalem cette année pour entendre résonner cette parole. Quitte ta robe de tristesse. Cette tristesse, elle nous atteint, hein, parce que ça fait des mois et des mois qu'on entend ce massacre. Et on se demande si ce monde est fait pour la guerre, ou s'il est fait pour la vie, ou s'il est fait pour les humains, juifs ou palestiniens, ou toute autre race. Alors, c'est bon de se retrouver en ce temps d'Avent avec une telle invitation que la parole nous fait. Et c'est quitte-la pour toujours, cette tristesse, cette robe. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Alors, c'est toute une interpellation. C'est facile de voir les grandes injustices qui sont commises par des gens qui nous sont un peu lointains. C'est plus difficile de voir les injustices qui sont commises par nous-mêmes, dans le quotidien de notre vie, au cœur même des relations dans lesquelles on est engagé. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice, mets sur ta tête le diadème de la gloire éternelle, et Dieu va déployer ta splendeur partout sur le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Alors ça, c'est des noms que Dieu veut nous donner, mais pour que ces noms soient réels dans notre vie, ben, il faut les accomplir, il faut les mettre en acte. Alors, paix de la justice, gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu Saint. C'est une façon de vivre quotidiennement qui nous est proposée. Hein. Ce sont des attitudes. Et lorsqu'on s'en éloigne, ben on risque de tomber dans le panneau. Et sans même le reconnaître, d'être excessivement participant à tout ce qui détruit et notre planète, et notre monde, et des peuples, hein, et des populations. Vois tes enfants rassemblés, ces enfants qui appartiennent à la source qui est Dieu. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient d'eux. Et c'est exactement ce qu'il fait pour chacun de nous. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'entendre parler qu'il y a une paix qui se rétablit dans toute cette réalité de destruction qui ne pourra pas être réparée par un mois ou deux, mais qui devra être réparé par un engagement sérieux et responsable, pas juste des localités où ça se produit, mais l'engagement de tout un monde dans une voie, une direction qui n'est pas nécessairement la nôtre, qui vient d'ailleurs, qui vient de lui. Alors, car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées. Il ne reste pas suspendu dans les airs. Hein. Il s'incarne. Et que les vallées seraient comblées. Alors, on commence à retrouver un langage qui va résonner tantôt dans l'Évangile. On commence à voir un peu d'où viennent les prophéties de Jean-Baptiste. Alors, les collines éternelles seront abaissées, les vallées seront comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Et c'est ça, la justice. C'est un des grands défis
que notre humanité a besoin d'apprendre. Et si on ne l'apprend pas de Dieu, ben de qui on va l'apprendre? Et si on n'a pas la conscience comme chrétien qu'on a à faire résonner cette parole, cet appel à la conversion, qui va le faire? Alors, sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres aux différents donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Et quand la parole nous parle d'Israël, elle ne nous parle pas d'un lieu géographique seulement. Elle nous parle d'un peuple. Elle nous parle d'un corps qui est rassemblé pour l'établir, cette justice. Et dans l'Évangile, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Je ne sais pas si vous voyez l'incroyable de cette parole. On commence par nommer tous les grands connus de ce temps, de la planète, pour arriver à une parole de Dieu qui ne l'aurait pas adressée, mais qui est adressée à un être d'une infinie simplicité qui mangeait des sauterelles dans le désert et que des villes, on sortait pour aller le voir, alors que ceux qui voulaient tellement se faire voir, c'est tous ceux donc qu'on nous a nommés dans ce qui précède. Mais la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Ils parcourent toute la région du Jourdain. Alors, il n'est vraiment pas assis dans son royaume. Il n'est pas installé sur son trône. Il parcourt. Il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il ouvre une voie pour qu'on apprenne l'humilité. Hein? Et comme il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, alors il est bien branché sur son histoire. Hein? Et à travers le désert, une voix crie. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez sa route. Qui a fait ça dans votre vie? Moi, j'aime ça regarder des fois. Qui a fait ça, moi, dans ma vie, qui est venu me dire « Aplanis le chemin du Seigneur. Hein? » Et puis, aplanis sa route. Tout ravin sera comblé. Puis, des ravins, il n'y en manque pas. Hein? Des choses qui ont été creusées, qui m'ont laissé devant un énorme vide, il n'y en manque pas. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Donc, parfois, là, des réalités que je sens que je ne peux pas franchir, que je ne peux pas dépasser, devant lesquelles je me sens complètement impuissant, ils vont être abaissées, les montagnes. Puis, c'est pas par mon action, c'est par l'action de ce Dieu qui m'aime. Les passages tortueux deviendront droits. Alors, se redresser. Dans les défis du ministère, je vois beaucoup de personnes qui me redressent. Okay. Parce que il m'amène à faire la rencontre de celui qui, d'un premier regard, je ne vois pas et je ne découvre pas dans ces personnes. Mais ils m'y conduisent, parce que le Seigneur me conduit. Les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Alors, c'est pas une suggestion, c'est une annonce d'accomplissement. Alors, Seigneur, fais qu'on appartienne à cet accomplissement, puis donne-nous la joie d'être fidèles à l'appel que tu nous fais, là où tu nous attends. Thank you.
Bon dimanche, mes amis, et bonne semaine.